since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try. Ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour du Xiaomi, mais pour une barre de son, la Shunpad BS28. Donc, c'est une belle barre de son. Elle possède 4 haut-parleurs, une batterie de 2000 mAh. Donc, ça veut dire qu'elle a une autonomie d'au moins 10 heures. Elle est donnée pour, si vous la laissez en veille, pour une autonomie de 240 heures. Vous pouvez la laisser allumer sans crainte. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, elle fait 55 cm de longueur, 5 cm donc d'épaisseur, donc de large. Vous voyez, il y a 2 trous aux extrémités, ici. Donc, vous voyez ici un port USB, un port pour une micro, donc une micro SD, une prise jack et le port de recharge en USB. USB, micro USB, donc comme n'importe quel téléphone ou recharge. Donc dans la boîte, comme vous avez vu, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a bien sûr le haut-parleur, donc la barre de son, et dedans on retrouve ici un câble, donc micro USB pour la recharger. Donc il n'y a pas de prise avec, hein. Il n'y a pas l'adaptateur. Ils auraient pu la mettre, hein, parce que cette enceinte coûte quand même 36 €. Et vous avez un câble jack, hein, bon, bas de gamme. Donc comme vous avez vu, la boîte, ils envoient ça dans une boîte non-M. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont envoyé ça dans une protection en carton. Je l'ai reçu via DHL en envoi express, hein, envoyé par Gearbest en envoi express. Donc avec DHL, on s'attend à des frais de douane, mais Gearbest a fait très 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 bien ça. Donc il a fait une déclaration de douane, hein, dans la boîte avec tous les documents qu'il faut, hein, parce que comme elle contient une batterie, il faut des documents spéciaux pour le transporteur. Et aucun frais de douane. Et Gearbest a fait une déclaration à 20 $ malgré qu'elle coûte 36 €. Donc voilà, donc aucun frais de douane. Via DHL cette fois-ci. Bon, sinon je conseille pas DHL. Donc là vous voyez un manuel, donc en anglais, pour ceux qui veulent regarder, hein. Faites une capture d'écran. Voilà. Donc nous allons procéder. Donc je l'ai pas encore allumé. Donc on va procéder à son installation, hein, et la connexion via le Bluetooth. Et via, pour voir si le port prise jack fonctionne pour mon projecteur, hein. Moi je l'ai acheté pour mon projecteur principalement. Donc voilà, on va procéder à l'allumage. Vous voyez, il y a le bouton ici power, on va l'allumer.
The Bluetooth device is ready to pair. Donc il faut rester 2 secondes au moins appuyé. Hein. Si vous appuyez juste, ça ne marche pas. Il faut faire 2 secondes. Appuyez 2 secondes pour que ça fonctionne. Et il veut apparemment que je me connecte directement en Bluetooth via un appareil. Donc on va regarder d'abord les différents modes pour voir. Je ne sais pas, il est dit qu'il y a la radio dedans. Nous allons voir ça. The radio mode. Donc là, c'est le mode radio. Vous avez un bouton. Donc je baisse le volume. Hein. Donc vous avez apparemment ici pour changer les modes. The Bluetooth device is ready to pair. Donc là c'était le Bluetooth. Et là c'est the radio mode. Et ça c'est ici le mode radio. Donc il y a 2 modes, mode Bluetooth et mode radio. Est-ce qu'on sait faire autre chose? Donc ça c'est pause. Volume plus, volume moins. Donc je sais vraiment pas comment avoir la radio. Peut-être il faut connecter le câble. Aux input mode. Ah, donc quand vous mettez le câble, il se met en mode câble. Donc il le dit. Ok, bon. La radio. The Bluetooth device is ready to pair. The radio mode. Mais comment avoir la radio? Est-ce qu'on s'est changé de station? Non. Donc je fais pause, je regarde dans le manuel et moi. Donc voilà, apparemment pour rentrer en mode radio, il faut d'abord introduire donc la prise jack. Aux input mode. Donc là, il se met en mode Bluetooth, mais apparemment, il faut revenir. The Bluetooth device is ready to pair. Donc il se met en mode câble, puis on le met en mode Bluetooth, puis on le met the en mode radio. Mode. Donc je baisse le son et après il faut faire une recherche de chaîne. Donc là il faut appuyer sur le bouton play pause. Donc apparemment 2 secondes. Donc j'ai pas encore testé, hein, je le fais en direct devant vous. Et là la LED bleue se met en mode recherche. Donc je vais faire pause, comme ça vous n'avez pas attendre avec moi pour le mode recherche. Sinon, vous allez dire mes vidéos sont encore trop longues. Mais bon, apparemment, il y en a que ça plaît, il y en a que ça plaît pas. Hein. Donc, voilà. Donc, je fais pause le temps que ça recherche. Et on se retrouve après. Donc, voilà. Après recherche, donc ça dure longtemps quand même. On peut le stopper ou choisir soi-même faire recherche manuelle. Donc, il suffit d'appuyer plus et moins. Donc, on appuie sur play pause et on peut changer les fréquences avec le moins ou plus. Donc je suis en Belgique, hein, donc c'est des radios, je suis près de la frontière néerlandophone, donc on va avoir plus de radios flamandes. Dank voor al die jaren. We zeggen ook dank u. Korte avontuur voor Freddy Davis met de brief na 3 weken. Bon, sinon le mode radio, vous l'avez compris, il fonctionne. Donc parfait, bon, c'est pas ça que je vais utiliser, mais vous pouvez l'utiliser. Donc cette barre de son, la particularité, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Elle est très très légère. Hein. Elle est légère, vous pouvez l'emmener partout comme une enceinte connectée.
Bah, c'est un peu une enceinte connectée, mais avec 4 haut-parleurs. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais elle fait du 80 décibels. Donc, on a fini pour la partie radio. Maintenant, testons la partie micro USB. Donc voilà, j'ai été chercher une carte micro USB. Hein, c'est une SanDisk que j'avais acheté ici sur GearBest aussi, en bonne promo. Je pense que je l'ai acheté 7 ou 8 euros, ce qui est pas cher. Non, c'est une 16 Go, celle-là j'ai dû la payer dans les 5 euros. C'est l'autre à 32 Go que j'ai payé 8 euros. Bon, petite précision. Hein. De toute façon, tous les bons plans, je vous les mets sur mon blog. Donc, on introduit la carte SD. Music Play Mode. Donc, j'ai mis mes musiques que j'utilise sur YouTube. Donc, apparemment, on change de radio. Et si on veut augmenter le volume, il faut rester appuyé. Donc je suis désolé pour vos oreilles hein, si ça a été très très fort. Donc la carte micro SD fonctionne parfaitement. Donc maintenant testons le mode USB. Donc j'ai pris un adaptateur carte micro SD pour qui fait USB. Hein, on va voir si ça fonctionne. The Bluetooth device is ready to pair. On met le USB bien sûr. Hop. Music Play Mode. Et voilà, il reconnaît directement la clé USB et joue directement la musique sans même que j'ai besoin d'appuyer sur aucun bouton comme la carte micro SD. Donc c'est très très bien. Maintenant on va regarder le mode par câble. Donc là on va se retrouver à mon projecteur. Et on va regarder ça et après on se retrouve pour le mode Bluetooth. Donc on va se faire une petite séance cinéma. Donc elle va durer, allez, je vais mettre 2-3 minutes. Et vous allez juger du son vous-même. Et on va regarder ça ensemble. Bon. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur mon mur de projection. Donc j'ai connecté la barre de son à mon projecteur. Et j'ai mis la dernière vidéo, une des dernières vidéos que j'ai faites sur YouTube, hein, pour ceux qui voient avec le test de la caméra Miji à 4K. Donc vous voyez ma main en très très grand, hein, donc c'est normal, projecteur, donc c'est projeté sur quand même un mur qui est très grand. J'aurais pu le faire aussi, hein, vous montrer sur ma télé, mais je me suis dit c'est mieux si je vous montre sur le projecteur. Donc on va commencer à regarder la vidéo. Je l'ai avancé. On va arriver où il y a le son et la musique. Et on va regarder si on peut augmenter le volume et tout ça directement sans passer par la barre de son. Donc démarrons le petit visionnage. Hop, j'appuie sur play. Donc là, le son est mis pas très fort, on va augmenter. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous, moi je l'entends. Donc j'ai aussi acheté, hein, pour ceux qui ne voient pas ici, hein, un protège-écran, hein, en trempé en verre. Donc je ne sais pas si c'est utile ou pas, si la vitre se raye, hein, j'ai pas envie de tester. Bon. Donc voilà, là je l'ai mis à fond. Et on va avancer un petit peu la vidéo. Donc mon projecteur, il fait aussi Android, hein, donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai YouTube sur mon projecteur. Donc allons-y. I am singing, mama, heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide.
Donc, je viens d'essayer d'augmenter le volume, hein, parce que c'est vrai que sur cette vidéo, le volume, je ne l'ai pas mis très fort, hein, pour la musique. J'avais pas envie de vous faire mal aux oreilles, donc j'ai mis quand même le son un peu des musiques un peu bas. Mais sinon, continuons un petit peu le visionnage, écoutons un peu le son sur un peu du longue durée. The dream is on. I can't be shaken. I know I'm strong. Power awakened. I believe I'm great. I let my passion come out. I'm a dreamer, dreamer. My eyes will show some kind of worry, bubble blue as rain. A dreamer story. I'm face to face. I need my soul to scream out. I'm a dreamer. Dreamer, I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try. Donc voilà, maintenant on va tester en mode Bluetooth. Je suppose que certains s'intéressent plus le mode Bluetooth que le mode par câble. Parce que le mode par câble, bon, il est très bon, hein, le son est très très bon, je suis très content. Le son est très clair, très bon, c'est mieux que mon ancien haut-parleur. Donc, allons-y, on se retrouve pour la connexion Bluetooth. Donc voilà, on se retrouve sur mon smartphone pour l'appairer à l'enceinte Bluetooth. Donc vous allez dans vos paramètres Bluetooth, donc du téléphone, hein. Vous cliquez sur votre Bluetooth. Vous faites pour ajouter un appareil. Là, je vois qu'il a déjà repéré. Donc le BS28, vous cliquez dessus. The Bluetooth device is connected successfully. Donc j'espère que vous avez bien entendu, l'haut-parleur est un petit peu éloigné, mais comme le son est à fond, j'espère que vous l'avez entendu, et donc il m'a prévenu qu'il était connecté. Donc vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, on va se retrouver à l'enceinte, hein, à la barre de son. A tout de suite. Donc voilà, maintenant testons la barre de son, donc en mode Bluetooth. Donc, je vous ai montré comment la connecter. Donc, le téléphone, il est là. On va tester différents modes, hein. Donc, on va tester en mode streaming au niveau Bluetooth, au niveau, par exemple, de Napster, un service de streaming, et TuneIn, un service de radio en ligne.
Donc testons déjà YouTube. Donc là, j'ai mis un petit drag, le dernier, donc God's Plane. Et comme il fait des dons, on va lui passer un petit peu de musique pour lui donner un peu son argent, parce que moi, je ne suis pas rémunéré par YouTube. Donc, faisons ça. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, I swing that down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, I go hard on Southside G, I make sure that Northside E. And still, Jacob, thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't want to die for them to miss me. Yes, I see the things that they wish. Donc voilà, comme vous avez vu, on ne sait pas faire pause, hein, je viens de le découvrir comme vous, hein, parce que moi, quand je teste, je le fais en direct. Donc si j'ai des problèmes, vous le voyez, et je vous le dis au niveau des problèmes de connexion ou autre. Mais donc là, le streaming avec YouTube, ça marche très bien, mais on ne sait pas faire pause ou play, apparemment. Peut-être c'est dû à mon téléphone, hein, peut-être avec un autre téléphone, ça va fonctionner. Mais en tout cas, ici, mon téléphone est en Android 5. C'est avec celui-là que je vous ai montré que je pouvais avoir les notifications. J'ai bien toujours les notifications Mi Home. Donc ça, moi, j'ai pas de problème. Donc ici, on parle de l'enceinte. Le son est super bien. Donc, de bonnes basses, un bon son. Il va très, très fort. C'est normal, avec 4 haut-parleurs. Ni trop ni pas assez. Donc ça c'est pour YouTube. Donc je pensais qu'on pouvait faire play pause, mais apparemment on peut pas. Bon, c'est pas un gros détail, hein, je le fais sur mon téléphone. Maintenant on va regarder ça avec Napster. Donc on se connecte à Napster. Donc le Donc apparemment si on reste appuyé on peut modifier. Ici on peut faire play pause, donc avec Napster ça fonctionne. Le son fonctionne très bien, très fort, même plus fort que sur YouTube. Donc voilà. Donc on va encore tester au niveau service streaming avec TuneIn Radio. Donc voilà, apparemment, pas de problème. Ça marche très très bien. On va encore écouter un petit peu. Donc voilà, bon, ça marche bien. Je suis content de cette barre de son. Moi, je l'ai acheté plutôt pour mon, comme vous avez vu, mon projecteur. Hein. J'espère que la petite séance cinéma vous a plu. Donc bien sûr, vous pouvez faire avance rapide, hein, c'est normal. N'oubliez pas que vous pouvez faire avance rapide, parce qu'il y en a qui disent mes vidéos sont trop longues, ils se plaignent. Faites juste avance rapide et allez au bon moment pour regarder. Mais c'est vrai que vous avez peur de rater des petites choses. C'est vrai que parfois entre deux, je parle de petites choses, mais bon, là sur cette séance cinéma, allez-y, zappez tout si vous voulez. Donc voilà,
Donc j'espère que... Donc je répète, c'est le modèle Champad B28 avec une batterie 2000 mAh. Donc 80 décibels maximum, 4 haut-parleurs, Bluetooth 4.1. Elle coûte environ 36 euros en promo. Hein. Donc c'est une bonne barre de son. Elle n'est pas en bois, elle est toute en métal, je pense. Donc il y a des petits patins, comme vous voyez ici. Des petits patins en caoutchouc pour la mettre sur le sol ou sur votre meuble. Donc elle est en métal et plastique, mais sinon ça donne un bon son. Donc elle a une bonne LED de notification. C'est très facile d'appairage, pas aucun problème avec le Bluetooth 4.1. Donc elle a une bonne autonomie apparemment, j'ai pas encore testé l'autonomie, hein. Je viens de la recevoir, donc elle était un petit peu chargée, donc je l'ai mis en charge là, il faut 2 à 3 heures pour la recharger. Donc voilà. Donc merci à ceux qui se sont abonnés, merci aux anciens, merci de me soutenir. N'oubliez pas, j'ai un blog Bon Plan où vous pouvez retrouver tous les objets que vous présente et d'autres aussi, avec des super codes promo, donc visitez mon blog Bon Plan. N'oubliez pas ici de vous abonner, donc à vous abonner à mon blog, donc ici pour faire partie ici des abonnés. Donc il y en a 12 qui ont compris qu'ils peuvent devenir membres, hein. C'est gratuit, hein. Je ne fais pas payer, c'est le blog est 100% gratuit. Suivez-moi aussi si vous voulez. Donc il suffit de cliquer, hein, quand vous allez sur mon blog, je mets toujours le lien en description de toutes mes vidéos. Donc sur Twitter, donc avec Twitter, moi je ne blade pas sur Twitter, hein. Je mets juste les bons plans. Directement, vous avez une alerte, dès que je mets un bon plan sur mon blog, je le partage sur Twitter et sur Google+. Donc abonnez-vous aussi aux deux, si vous le désirez bien sûr. Et abonnez-vous, c'est bien pour soutenir mon blog, pour devenir membre. Et parce qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent, mais pour recevoir les bons plans, mais ils ne sont pas membres. Donc n'oubliez pas aussi, j'ai une petite enquête. Donc pour savoir si vous voulez que je vous fasse des vidéos avec JDome, hein, Xiaomi, la domotique Xiaomi avec le système JDome. J'ai 19 personnes déjà qui ont dit oui, et une personne, apparemment j'en ai une qui m'aime pas, qui met des pouces en bas. Donc il en faut, hein. Donc c'est normal, hein. Je sais très bien que mes vidéos sont loin d'être parfaites et sont vraiment amateurs, mais je veux que ça reste comme ça, je veux pas que ce soit... Que ce soit professionnel, je veux vous donner mon avis réel. Et si j'ai des problèmes de connexion, je vous le dis. Si j'ai des autres problèmes, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Mais cette enceinte connectée, bon, il n'y a pas de souci pour l'instant. Hein. Si je reçois un problème, si j'ai un problème en cours d'utilisation, je ferai une petite note sur mon blog, comme d'habitude. Bon, merci d'avoir regardé. À la prochaine, c'était Dingo Darwan. N'oubliez pas, abonnez-vous. Like the attention, girl, I know you. Know you. The Bluetooth device is connected successfully.